Alors moi, je suis Laetitia Murat, je suis assistante commerciale au sein de l'atelier Corse Fruits et Légumes. Et je suis François-Joseph Faut, je m'occupe du développement commercial pour l'atelier Corse Fruits et Légumes avec Forza Consulting. On est vraiment sur un état d'esprit éco-responsable, anti-gaspillage et valorisation de tous les produits, de tous les fruits. Vraiment, la vocation en fait envers nos producteurs, parce qu'on est avant tout des producteurs, on est deux groupements de producteurs associés vraiment autour de valoriser nos produits, notre terroir corse, exprimer le meilleur à travers des matières premières, mais également les produits finis qu'on vous présente aujourd'hui. On utilise de la bouteille en verre pour le pur jus, un plastique recyclé en PET, un PET recyclé et recyclable pour la boisson pétillante. Et donc l'idée, c'est d'être vraiment dans cette optique-là qui correspond aux valeurs qu'on porte. On est poussé finalement par une passion, par notre terre, par tout ce qui fait ce qu'on est. Et c'est assez naturel en fait de le partager avec les clients, de partager ça, de pouvoir leur démontrer ce qu'on est capable de faire à partir de notre terroir, à partir de produits issus de notre agriculture et un savoir-faire. Et bien, de mettre tout ça dans une boîte de secouer et de partager ce goût-là et cette passion. C'est notre région qui nous unit pour le coup. Alors moi j'avoue qu'avec notre boisson pétillante justement, donc à la clémentine et à l'anépita, je vois bien un alcool blanc, donc ça peut être un gin ou alors un alcool qu'on a de chez nous qui s'appelle le Cap Matei, qui est, donc on a un rouge et à la fois un blanc, un cap blanc ou un cap rouge, qui s'apparente à un vermouth. Et du coup, je le vois bien, donc vraiment sur cet alcool, donc ce Cap Matei blanc, ça apporte vraiment une fraîcheur et pourquoi pas avec une herbe aromatique, c'est un romarin, voilà, le romarin, c'est vraiment, je pense que ça peut apporter du pep, c'est vraiment une boisson d'été, une boisson qui se fait plaisir, un peu d'alcool, ça fait jamais de mal, et puis c'est pour profiter. Ouais, exactement. Et alors moi, j'adore découvrir les nouvelles choses. Et c'est vrai qu'à chaque salon, on rencontre des gens qui sont passionnés par le cocktail, qui nous font découvrir ce qu'ils sont capables, ce que leur inspire en fait le produit. Et moi, c'est ce que j'adore en fait. C'est vraiment découvrir quelque chose en fonction d'une inspiration. Et quand on rencontre des vrais passionnés, on se régale. Et là, sur ce salon, on a eu l'occasion avec des gens qui font du Pays-Bas, je crois, qui font des choses avec les plantes, des plantes aromatiques, aromatiques, et qui nous ont fait des petits cocktails très agréables, très déconcertants. Avec le jus de clémentine. Avec le jus de clémentine, avec le pétillant, avec le jus de pomelo aussi. Donc c'est bien, parce que ça ouvre beaucoup de perspectives et c'est génial, voilà, on adore ça. On attend d'un barman ou même d'un mixologue, c'est le voyage. Parce qu'en fait, voyager, ça vous permet vraiment de sortir des sentiers battus et de voir des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et ça vous permet de revenir avec vraiment plein d'idées. Et en fait, moi, je trouve qu'à travers le voyage, on apprend. Mais je trouve que pour les barman, c'est vraiment trouver une herbe d'un certain pays, comme nous, par exemple, l'année. Putain, pour une région, on peut toujours en faire quelque chose. Et c'est vraiment, oui, moi, je dis sortir des sentiers battus et n'ayez pas de limite et vraiment oser. C'est oser, ça foire, on s'en fout, mais au moins vous aurez essayé et vous aurez toujours quelqu'un qui appréciera votre travail et justement cette prise de risque. Et je crois que les cocktails, en fait, ils traduisent vraiment ce qu'on est. Parce que ce qu'on aime, c'est rencontrer des gens qui sont différents, avec qui on partage, avec qui on avance. Et quand on est un petit peu innovant et qu'on ose, dans les cocktails, on est capable de prendre quelque chose qui vient de Corse avec quelque chose qui vient d'Alsace et voilà, finalement, on a une belle réussite. On a eu l'occasion de rencontrer un ami du projet, un partenaire, qui est un maître cocktail, Joseph Trotta, qui a fait pas mal de choses sympathiques sur... Joseph, ouais. Oui. C'est un ancien, ça. C'est un ancien. Il nous a sublimé des choses avec ses cocktails en faisant des mariages incroyables. Et voilà, et finalement, le cocktail, il marie ce qu'on est et voilà, c'est de la convivialité, il y a des différences des fois qui s'accordent. Je me présente Vincent Gilbert, donc société Time Shaker. On est une société qui commercialise une machine à cocktail qui a pour vocation de pouvoir, on va dire, standardiser la réalisation de cocktails de manière très simple sans avoir nécessairement de connaissances en mixologie. Alors le but réel, c'est parti d'un constat et d'une anecdote qui est très simple. Un midi, je suis allé déjeuner avec ma femme et ma fille au bord de la plage. On voulait faire notre instant apéro, tout simplement. Donc on avait commandé trois cocktails. Les cocktails ont mis plus de 10 minutes à arriver.
Et comme on avait fait la commande des boissons et des plats en même temps, ben, ce qui est arrivé, c'est que les cocktails sont arrivés. Deux minutes après, on a nos plats qui sont arrivés. Et on s'est dit, le moment apéro où on paye un cocktail 8 ou 10 euros, au final, n'a plus d'impact, puisque ben, on devait manger notre entrecôte, entre guillemets, en même temps qu'un cocktail qui, à la base, est un produit qui est quand même assez sucré et qui ne se marie pas avec une viande ou avec un poisson. Donc, de là est venue l'idée de me dire, mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas une machine à cocktail qui peut permettre de gagner et d'optimiser du temps pour tout simplement un restaurant, un bar ou autre activité. On a plusieurs typologies de clients. On a aussi bien tout ce qui est le domaine de l'HPA, donc l'hôtellerie de plein air. On a les restaurants, on a les bars, on a les hôtels, on a les centres de loisirs outdoor, indoor, comme par exemple des bowling, des kartings. Donc on a vraiment de différentes activités, des casinos. On a vraiment plein d'activités professionnelles qui aujourd'hui veulent faire du cocktail, mais n'ont pas nécessairement le staff en interne, puisqu'aujourd'hui il y a une pénurie de main-d'œuvre que tout le monde connaît. Et qui aujourd'hui fait qu'on ne peut pas proposer nécessairement un cocktail de qualité à sa clientèle. Pour moi, ce qui est fun, c'est la rencontre avec les professionnels. Typiquement, être dans un salon comme celui-ci ou comme d'autres salons qu'on fait, c'est le côté hyper fun de la boîte, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'avantage de dire que je connais 100% de mes clients. 100% de mes clients m'ont vu au moins une fois. Et c'est quelque part l'ADN de Time Shaker depuis le départ, c'est de dire voilà, on veut cette proximité avec nos clients. Sans spoiler, on a une grande présentation à faire au mois de septembre 2023 qui va être un produit complémentaire mais totalement novateur qui n'existe pas du tout sur le marché, qui sera présenté au premier salon de l'hôtellerie de plein air qui est vraiment pour les campings. Et là, ça sera présenté à partir de septembre 2023. C'est la seule chose que je peux dire, sans spoiler. Écoute, c'est génial, justement, au contraire. Prenez l'envie de travailler, parce que le travail, c'est pas une... Il n'y a rien de dramatique. On a souvent tendance à dire le travail, c'est chiant. Non, c'est pas vrai. C'est clairement, c'est la vie. Donc, prenez du plaisir à travailler. N'oubliez pas que vous êtes dans le domaine du CHR, café, hôtel, restaurant. C'est quand les gens se déplacent dans un café, dans un hôtel, dans un restaurant, c'est pour voir aujourd'hui des serveurs, du personnel qui a envie de bosser, qui est souriant, qui est dynamique, qui nous donne envie de revenir. Donc c'est fait de ce métier par passion, par plaisir, ou alors il faut changer totalement de métier. Mais c'est un métier de passion, et si on n'a pas cette passion, ça ne peut pas fonctionner. Et le troisième point, c'est éclatez-vous, parce que quand on s'éclate, la journée passe super vite. J'avais passé un entretien d'embauche que je pensais avoir raté. Do you speak English? Yes. Where are you from? Yes. Mais ils m'ont engagé, à l'intendance. Ils m'ont dit que je ferais tout et rien. Fais tout et rien. Je me suis rendu compte que je faisais tout, eux ils faisaient rien. Tellement le meilleur challenge. On fait juste une retouche. C'est bon? C'est bon, vous êtes parfait. Moteur! J'ai dit moteur! Moteur! Alors, je m'appelle Jean-Philippe Meyer, je gère la société Philem Production. Une société de production audiovisuelle, photo, vidéo et contenu audio aussi. Spécialisée et dédiée à l'art culinaire, l'art de la table, à tous les métiers de bouche, l'agroalimentaire. Voilà, donc on balaye vraiment tout ce panel de clients-là. Philem Production, nous sommes actuellement deux dans la société. Et nous travaillons en fait à la carte avec un grand panel d'indépendants locaux en Alsace principalement. De la prise de brief client à la scénarisation jusqu'à le rendu final de notre produit qui est soit la photo, soit la vidéo, ou le contenu audio. Philem Production, on produit tout type de contenu pour tout type de diffusion, c'est-à-dire de la story Instagram jusqu'à la publicité télé. Produits, on fait voler un peu de produits avec un peu de fantaisie. On fait aussi des captations, des interviews, comme on est en train d'en faire une. Voilà pour juste revenir sur la structure en soi. Alors l'état d'esprit, comme je le disais, l'état d'esprit de l'entreprise, c'est de faire de belles images, d'apporter à nos clients de belles choses, à des contenus dont ils sont fiers et qu'ils seraient fiers de partager et de diffuser. Et c'est de se démarquer par rapport à tout ce qu'on peut trouver parce qu'aujourd'hui sur internet ou même à la télé ou à la radio ou quel que soit le support de diffusion, on a énormément d'informations, énormément de contenu visuel. Nous, c'est de faire la différence, de marquer la petite différence avec notre aspect créatif qu'on apporte à nos clients. On apporte la patte créative de dans les projets et aussi l'aspect technique, parce qu'on a de très bons techniciens avec qui on travaille, ce qui fait la différence dans la technicité et dans la finesse du produit final. C'est indispensable dans nos métiers, dans les métiers de l'image particulièrement, parce qu'aujourd'hui, on communique vite. Et quand on communique vite, il faut communiquer bien. Et pour moi, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, c'est facile de communiquer vite. C'est difficile de faire la part des choses, des informations qu'on a. Et là, je parle d'informations, mais c'est la même chose en image. On a énormément de contenu, énormément de choses qui nous viennent à la figure quand on allume son téléphone.
pour se démarquer, il faut le faire bien, il faut le faire dans la forme, mais aussi sur le fond. Et c'est pour ça que nous, on intervient sur le fond, dans l'écriture du scénario, dans l'écriture de l'apport de la créativité du petit projet, et aussi sur la forme, avec la belle image qu'on va apporter, avec les belles lumières, les belles caméras. Voilà, toute cette technicité-là qu'on apporte en plus. Donc voilà, c'est très important d'apporter notre plus-value là-dessus. Le qualitatif. Voilà, le qualitatif, la plus-value qu'on peut apporter, elle est là. Et c'est ça qui marque la différence avec nos concurrents et avec ce que fait monsieur et madame tout le monde quand on essaie de faire soi-même ses vidéos ou ses photos. C'est un milieu concurrentiel, donc il faut beaucoup de persévérance. On est plutôt persévérant. Et une expression, c'est la remise en question constante, parce qu'il faut toujours être en accord, il faut connaître un peu le terrain sur lequel on évolue, et on est sur un terrain qui évolue très vite, donc il faut s'entourer. C'est très important, donc je dirais un peu cette remise en question constante et cette curiosité. Je suis très curieux. Moi, j'aimerais savoir ce qui se fait, les bonnes tendances, je suis intéressé, je m'intéresse aux produits de mes clients, c'est aussi pour ça que je fais ce métier, parce que j'aime la gastronomie, j'aime l'agroalimentaire, j'aime manger, c'est une passion aussi qui me vient au fond de moi, voilà, je le fais parce que j'aime ce milieu-là, parce que ça me passionne, et parce que je connais les codes aussi de ces métiers, de la gastronomie, de la restauration. On sait les codes, on sait les enjeux, on connaît les problématiques de nos clients, qu'elles soient financières ou aussi de communication simple, quoi. Et donc la curiosité, c'est hyper important, parce que ça nous permet, nous, de chercher l'information et de se plonger, parce que on vend, c'est un peu très commercial ce que je veux dire, mais on vend pas forcément des images, on vend les produits de nos clients. On vend pas forcément ça. On vend des vidéos, mais ce qu'on vend, c'est les produits de nos clients à travers leurs vidéos, à travers ces vidéos. Mon cocktail préféré, j'en ai plein. En fait, ça dépend de la saison, ça dépend du moment. C'est un peu comme la musique, tu vois. Là, maintenant. Qu'est-ce que tu aurais bu hier soir, là, je boirais bien. Quelque chose assez simple, un peu fruité, type pina colada. Ou alors, j'aime bien les trucs un peu crémeux, un white Russian, tu vois, un russe blanc. J'adore ça. Bizarrement, Julien, tu vois, c'est un bon russe blanc. Après, c'est peut-être Big Lebowski qui m'a un peu influencé dans tout ça. J'en ai bu, voilà, j'adore ça. I'm sorry, I wasn't listening. Donc là, vous mettez les 5 ml ici. Là, vous allumez à froid et c'est parti. Donc c'est votre dose de 5 ml. Donc avec ça, je vais faire 100 cuissons d'œufs cocottes, par exemple, ou d'œufs trucs, pas ce que vous voulez. Donc ça vaut 22 € à peu près. Donc ça va vous coûter 20 centimes la cuisson sur table. Donc en gros, cette préparation vous coûte 1 €. Elle est vendue 10 € sur table. Donc là, en termes de marge, pour la restauration, mais on retrouve des marges qui sont faites dans le cocktail. C'est ça, c'est nos marges. D'accord. Et les restaurateurs ne sont pas habitués à ça. Très rapidement, la crème a monté le long des ailettes. Et c'est bien la crème en englobant la surface de mes préparations qui va cuire le produit. Voilà, vous êtes... Donc vous pouvez imaginer beaucoup de recettes. D'accord. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que le sel va changer notre couleur de flamme. D'accord ? Donc je vais coloriser la flamme avec simplement du sodium. Je ne suis pas Harry Potter. Je garantis que cette assiette, elle est nécessaire. Ça marche avec tous les poissons ? Ça marche aussi. Alors plus le poisson est gras, mieux c'est. Donc les saumons, les maquereaux, les sardines, tout ça, c'est super. Après, la Saint-Jacques n'est pas grasse, ça marche très très bien. Non, je pense qu'il faut vraiment goûter pour... C'est vrai que la cuisson comme ça, avec des alcools comme ça, on pense pas qu'un, ça cuit, et deux, on pense pas qu'il y a plus d'alcool et que c'est aromatique. Éclat de caramel, et je vais prendre ce secret de flambage que je vais mettre dessus en spirale et j'allume. On pourrait l'envisager sur un cocktail, sur un amérisant. Moi, ça me plairait assez. Alors, moi-même, je suis Céline Pierre. Je travaille depuis 23 ans donc chez Eurofins, un laboratoire d'hygiène alimentaire basé à Saint-Croix-en-Plaine. Notre société propose principalement des contrôles d'hygiène alimentaire dans la restauration commerciale, collective et chez les artisans, bouchers, charcutiers et pâtissiers. On intervient aussi dans les bars,
pas ceux qui proposent uniquement de la boisson, mais les bars qui se sont également spécialisés dans un peu de restauration, principalement quand il y a des préparations de planchettes, planchettes fromage, planchettes charcuterie. Donc il est important que les bars adhèrent également à la démarche d'hygiène alimentaire. Alors ma plus grande fierté, c'est quand nos clients comprennent réellement la démarche de l'hygiène alimentaire et qu'ils s'engagent pleinement dans celle-ci. Alors la rencontre professionnelle qui m'a le plus marquée, c'était au tout début de ma carrière, où je suis tombée chez un client sur un apprenti qui faisait des mélanges savants de produits d'hygiène et qui a failli s'intoxiquer en mélangeant de la Javel avec un produit vaisselle. Et donc, c'est là qu'on se dit qu'on a vraiment quelque chose à apporter à nos clients aussi lors des audits pour leur expliquer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Alors, le but de cette interview, c'est déjà de te présenter. Donc, qui tu es dans l'entreprise? Alors, je me présente, je suis David, société IPAC Hygiène, chargé d'affaires sur le secteur Alsace, principalement. Notre activité, c'est la digitalisation complète du plan de maîtrise sanitaire de nos clients. Donc tout ce qui est restaurateur, mais plus globalement, tout ce qui est métier de bouche. Et en français? En français. tous les enregistrements obligatoires et la traçabilité que nos clients doivent faire aujourd'hui en papier, qui est extrêmement chronophage et compliqué à faire appliquer par les équipes, on va permettre de tout digitaliser sur un écran ou sur une tablette. On va leur permettre une mise en conformité facile, contrairement à tout ce qui se fait aujourd'hui au papier pour la plupart, et surtout un gain de temps pour les équipes et une mise en application obligatoire des équipes sur tous ces enregistrements. Globalement, on va dire que 50% de nos clients sont de la restauration commerciale, mais on travaille aussi avec beaucoup de collectivités, d'artisans comme des bouchers, boulangers, pâtissiers, traiteurs, fromagers, tout ce qui peut être également des food trucks. Voilà, on arrive à adapter vraiment l'outil, peu importe la structure. Alors les bars, beaucoup les bars à vin. Pourquoi? Parce que de plus en plus de bars à vin font tous des planchettes de charcuterie, fromage et autres. Et ils sont soumis également à une traçabilité. Garder les étiquettes sur la charcuterie, sur le jambon, etc. Le fromage. Quel type de fromage avec le numéro de l'eau? On connaît tous les scandales sanitaires sur des rappels de l'eau, que ce soit dans l'industrie ou les micro-industries. Je pense que mon plus gros challenge a été, on parlait de fromage juste avant, beaucoup de justement de bars à vin travaillent qu'avec des producteurs locaux. On a équipé une fromagerie sur Obersteinbar, c'est une chèvrerie. C'est-à-dire qu'on est parti de la traçabilité directement de la traite de la chèvre jusqu'à la fabrication du fromage, l'affinage et la vente dans la boutique qu'ils ont, comme ils font du snacking, des quiches au fromage, etc. C'est là où ça a été le plus compliqué, partir de la chèvre. On propose une solution clé en main, c'est-à-dire qu'on va chez nos clients, on les accompagne. S'il y a une modification de la législation, les modifications se font automatiquement via des mises à jour du logiciel. Donc c'est-à-dire que si la réglementation est amenée à changer, la mise à jour se fera automatiquement sur les solutions de nos clients. Il ne faut surtout pas négliger la traçabilité. Pourquoi? Parce que c'est sûr que l'activité principale dans votre domaine, c'est débit de boissons, création de cocktails, etc. Mais à partir du moment où vous avez une partie alimentaire, vous êtes soumis, malheureusement, je serais tenté de dire, à la même obligation qu'un restaurateur traditionnel. Plan de maîtrise sanitaire, enregistrement obligatoire en matière d'hygiène et traçabilité. On en a parlé, il y a eu le cas sur Colmar il y a 2 ans, un bar à vin, qui a intoxication alimentaire de 30 clients, ils avaient 2 ans d'existence, ils ont fermé, ils n'ont jamais rouvert. Ils n'ont jamais pu prouver, comme ils ne faisaient pas de traçabilité, que ça ne venait pas de chez eux, mais du boucher qui leur livrait leur charcuterie. Une question un petit peu plus personnelle. Oui. Qui nous intéresse tous. Quel est ton cocktail préféré, ton mocktail préféré? Alors, moi, je suis plutôt margarita. D'accord. Voilà. J'aime bien ce côté acide. Nickel, et pas forcément courant. Ça change du mojito. Merci. Je suis plutôt classique. Only the bare essentials. Water and bread. And margaritas, yay! Alors Thomas Schitter, actuellement responsable directeur technique de Chrysalide d'Alsace, et je vais reprendre la direction de l'agence au 1er avril, la semaine prochaine. Donc Chrysalide d'Alsace, spécialiste dans les logiciels d'encaissement, caisse enregistreuse, pesage pour tout commerce. Alors l'état d'esprit de l'entreprise, ça va être l'innovation, d'être dans le service, d'apporter des solutions concrètes qui répondent à des problématiques des clients, à des besoins, à des réels besoins, et de leur apporter donc cette solution, accompagnée du matériel, de la formation, pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Voilà.
Ce qui est le plus intéressant dans mon travail, finalement, ça va être qu'aucun jour se ressemble. Tous les jours, c'est différent. Je vois d'autres métiers, d'autres clients, d'autres secteurs. On couvre toute l'Alsace, donc je bouge, voilà. Et on voit différents secteurs d'activité. Chaque client est différent, avec d'autres besoins, d'autres problématiques. Et c'est ça qui change, voilà. Tous les jours, c'est différent. Alors finalement, la caisse enregistreuse, le logiciel d'encaissement, c'est déjà une obligation. Une obligation fiscale pour être à la norme, pour être certifié. Mais c'est surtout aussi un outil de travail. C'est-à-dire que nous, on a des solutions qui sont sur mesure, adaptées aux clients, à tous les métiers, qui permettent justement de faire une interface adaptée aux clients, intuitive, facile à utiliser, mais qui lui donne aussi un outil de gestion, qui lui donne des statistiques de vente, des informations sur son commerce, sur le nombre de clients, le panier moyen, ce genre d'informations, des stats de vente sur les articles, sur ce qui vend le plus, ce qui vend le moins. On peut l'utiliser comme gestion de stock, comme gestion de caisse, pour voir les entrées et les sorties du tiroir caisse. Voilà, c'est vraiment un outil indispensable finalement pour la gestion de son point de vente. Alors nous finalement Chrysalide, donc on est éditeur du logiciel, donc ça veut dire c'est de notre fabrication, on n'est pas simplement revendeur. Donc on a à notre siège à Châtel-Saint-Germain une équipe de développeurs qui travaille sur l'outil, qui l'améliore, qui rajoute des fonctionnalités et qui le maintiennent à la norme. Donc c'est déjà un gros atout, c'est que c'est en interne. Change des clients. Voilà, c'est ça. Donc c'est en interne, on peut faire évoluer le produit et ça c'est déjà une force. Après on travaille avec des prestataires, des fournisseurs de qualité au niveau du matériel. C'est des gens fiables avec un SAV pertinent, efficace et réactif. Et ça, rien que sur les délais, c'est un réel confort de travailler avec des gens comme ça, quoi. Et nous, on va mettre la priorité sur le service. C'est-à-dire que vendre une caisse, l'installer, c'est une chose, mais il faut aussi accompagner le client sur le long terme. Il faut le suivre. S'il a un souci, s'il a besoin qu'on améliore quelque chose, on a besoin d'être présent. Et ça, on essaie de faire la différence là-dessus et ça marche plutôt bien. Maintenant, question personnelle. Je sens le sourire arriver. Quel est ton cocktail préféré ou mocktail? Alors, j'aurais deux réponses. La réponse locale alsacienne, ça va être le picon citron traditionnel, la valeur sûre. Et sinon, plus exotique, le mojito peut-être. Voilà, pour la fraîcheur, le mojito, ça me va très bien. Donc, Jean-Baptiste Graziani, moi je viens de Bastia. J'ai 35 ans, j'ai deux enfants charmants. Et on a monté en 2018 avec quatre cofondateurs qui sont... Ils ne sont pas tous ici, mais il y en a un déjà qui est dans le coin. Donc on a monté une boîte qui s'appelle What Is It. Et en fait, on propose des solutions numériques pour les hôteliers et pour les restaurateurs. Et principalement pour les restaurateurs, à savoir qu'on a une solution qui permet de mettre en avant les produits. C'est un menu digitalisé qui traduit les cartes dans toutes les langues. Ça, c'est l'argument principal. Et après, je pense qu'il y a d'autres questions qui vont suivre, mais on va voir qu'il y a d'autres arguments que la traduction. Mais à la base, c'est la raison pour laquelle on a créé cette boîte, c'est traduire les menus dans toutes les langues. Donc on a une solution sympa et on travaille avec le QR code pour traduire. Il a plus de chances de passer des desserts avec une photo que sans. Donc là, on est sur un menu en chinois. On a une photo de dessert, on a les allergènes, on a tout ce qu'il faut. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la carte, elle est instantanée. C'est-à-dire que l'accès à la carte, il est instantané. Même si on n'est pas fâché avec les cartes papier, clairement pas, le fait d'avoir un QR code en plus, ça permet de consulter la carte des desserts de manière directe. Et pour revenir, je vais vous montrer un autre exemple avec le cocktail. De la même manière, on a la possibilité de proposer en haut du menu, donc ça c'est notre menu démo, le cocktail du jour s'il vous plaît. Vous prendrez bien un Capo Spritz. Bon, en l'occurrence, ça c'est un cocktail qui est bien de chez nous, qui est délicieux. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs, on pourra vous, pas vous mettre en relation, mais vous conseiller cette maison. Il y en a d'autres aussi. Besoin de rafraîchissement, attention, les cocktails d'Andrea sont extraordinaires. On met en photo l'équipe et après les cocktails, c'est quand même plus sympa de voir la tête qu'a le mojito, de voir le détail. Quel est ton cocktail préféré? Eh bien, je viens de vous le montrer, hein. C'est le mojito. C'est le Capo Spritz. Ah d'accord, ok. Oui, parce que en plus vous m'avez filmé, je montre le Capo Spritz et si je parle d'un autre cocktail moins régional, je risque d'avoir des problèmes. Et j'essaie d'éviter ça. Hein. Je vais me présenter, moi c'est Maxime, deuxième chef. Je suis alsacien depuis une dizaine d'années, j'habite à côté de Strasbourg et je travaille pour Zenchef maintenant depuis presque 8 mois sur l'Alsace, c'est mon secteur. On est une entreprise de service client et gestion de l'expérience client destinée à tous les restaurateurs de France et maintenant d'Europe.
Donc on s'occupe vraiment de l'expérience client avant, pendant et après le service. On a beaucoup de restaurateurs forcément qui travaillent avec nous, c'est notre cœur de métier, mais on travaille avec plusieurs typologies de restaurants. On va avoir des restaurants avec une vingtaine de couverts, on est le premier partenaire des étoilés et des gastronomiques de France, mais on va aussi travailler avec de grandes brasseries, des bars à vin, des boîtes de nuit, ça nous arrive. On travaille aussi avec des restaurants, enfin des lieux qui proposent que des brunchs ou alors que des repas le soir, des planchettes, ce genre de choses. Ce que je préfère dans mon job, c'est de rencontrer des restaurateurs absolument tous les jours, c'est-à-dire qu'on pousse des portes, on va voir à la fois les restaurateurs qui sont déjà clients, qui sont déjà nos partenaires, et aussi des restaurateurs qui pourraient être intéressés. Et donc, c'est de rencontrer des chefs d'entreprise qui ont vraiment les mains dans le cambouis, même si c'est pas du cambouis, c'est les mains dans la farine. Et vraiment, ça, c'est ça qui me plaît, parce que c'est des chefs d'entreprise à part entière. C'est des gens qui ont une entreprise, mais aussi qui travaillent énormément. Et j'aime beaucoup rencontrer ce genre de personnalité. Ce qui me détache de nos concurrents, déjà, c'est notre business model. Donc, c'est un anglicisme, mais c'est vraiment la manière dont on va soutenir le restaurateur. Aujourd'hui, on n'est pas un intermédiaire entre le restaurateur et ses clients. On est vraiment là en tant que soutien pour le restaurateur. On ne va pas se rémunérer sur son succès, c'est-à-dire qu'on est sans commission. Et on va vraiment développer des fonctionnalités. On a une team de 50 techniciens, de développeurs. Chaque année, on fait remonter des fonctionnalités qui sont demandées par les restaurateurs. Et vraiment, on innove sans cesse pour que le restaurateur, il n'ait plus à soucier de quoi que ce soit. C'est ça notre objectif, c'est ça notre valeur la plus importante. Notre futur, notre objectif, notre rêve pour 2023-2024, c'est déjà de devenir le leader européen. Et pour ça, on est en train de développer plus de fonctionnalités. On est déjà très bon sur avant et pendant le service, mais après le service, tout ce qui est facturation, on commence à s'y intéresser. Et donc, j'en dirai pas plus, mais il y a des très belles choses à venir courant de l'année. Écoute, le cocktail que je préfère, c'est peut-être bien le Cuba Libre. Le Cuba Libre. Ouais, voilà. T'aimes le coca, t'aimes la sucrosité. Hein. Voilà, ouais, je pense que ouais, je suis une bouche à sucre, même si j'étais cuisinier, pas pâtissier. Mais ouais, non, j'aime bien quand c'est sucré. Maintenant, le Moscow Mule aussi, j'aime bien. Bon, t'es dans les tendances. Ouais, ouais voilà. Parfait. Les techniques qui vont aider tes barman avec Zenchef, ça va être leur connaissance du client. Aujourd'hui, la connaissance client, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que tu vas avoir des clients qui sont déjà venus chez toi, tu vas savoir quel est leur cocktail préféré, tu vas savoir s'ils ont des choses justement qu'ils ne veulent pas dans leur cocktail préféré. Et ça, en fait, plutôt que d'essayer de te souvenir d'absolument tous tes clients, eh ben, tu vas avoir cette connaissance grâce à Zenchef, tu vas avoir un mémo sur tous tes clients et même avant qu'ils viennent. We'll be right back.